mais qu'est-ce que tu m'as fait, Priscilla? Désolée, j'ai fait tout ce que font les chauves-souris. Elles détestent les loups-garous. Non! À qui je vais montrer cette tête? Tout le monde va se moquer de moi. Surtout mercredi. Elle va me haïr. S'il te plaît, refais-moi comme avant. La Enid que tout le monde aime. Désolée, tu m'as pas invitée à ta fête d'anniversaire. Donc tu mérites d'être comme ça. La prochaine fois, tu vas faire attention, j'espère. Et personne ne viendra t'aider. Allez, moi je retourne dans ma cave. Non, mais à qui je vais montrer cette tête? Je sais même pas comment redevenir normale. Priscilla, qu'est-ce que tu as fait? Qui peut m'aider? Personne? Pas ma famille en tout cas. J'ai une idée. Une personne peut m'aider. Mercredi, je l'appelle. J'espère qu'elle a activé son téléphone parce qu'il est tout le temps éteint. Allez, mercredi, s'il te plaît. Réponds pour une fois. J'ai besoin de ton aide. Je pense même pas me regarder dans un miroir. Je suis moche. Hein? Comment ça s'allume ça déjà? J'ai oublié. Ah, c'est bon. Oui? C'est qui? C'est moi, Enid. Mercredi, viens chez moi. J'ai besoin de ton aide. Il s'est passé quelque chose de très grave. Ouais. Enid, c'est pas la première fois. Il se passe toujours des choses graves avec toi. C'est quoi maintenant? Bah viens. Je te le dirai pas comme ça au téléphone. C'est vraiment très grave. Je vais pleurer. C'est mieux que je me cache quelque part. Je sais même pas si elle va venir mercredi. Non. Attends, mais Enid... Toujours la même. Elle ne changera jamais. Allons chez elle. Du rose. La couleur que je déteste. Bref, on n'est pas venu ici pour admirer les murs de la maison d'Enid. Enid? Enid? T'es où? Là, viens voir. Oula! Oula, je comprends pas. Enid, j'ai pas le temps de jouer à cache-cache. Viens s'il te plaît mercredi, j'ai besoin de ton aide. D'accord. Encore ici, je parie. En train de lire un livre bizarre sur les licornes. Enid? Passage secret. Ah, bien sûr. Je m'en doutais. Ton passage secret. Heureusement que je connais ce passage. Déjà, pourquoi les loups-garous? Ils ont un passage secret. C'est nous. On devrait avoir un passage secret. Enid, t'es où? Enid? Qu'est-ce que tu fais? On joue pas à cache-cache, j'espère. Non, mercredi. Ne me regarde pas. Mais j'ai besoin de ton aide. Comment ça? Tu as encore fait quelque chose de mal? Non, c'est Priscilla. Ah, la chauve-souris? Oui, la vampire. Et la chauve-souris. Elle m'a transformée. Transformée, c'est-à-dire? Transformée en un vieux pourri. Regarde, ma tête. Attends, mais c'est toi, Enid? J'ai pas ri depuis très très longtemps. C'est pas drôle, mercredi. Oh, oui, désolée. Pourquoi elle t'a fait ça? Parce que, soi-disant, je l'ai pas invitée à ma fête d'anniversaire. Et seuls les loups-garous avaient le droit de venir. Tu le sais, toi, en plus. Ouais, moi, je déteste les anniversaires. Pourtant, c'est une chauve-souris. Je comprends pas. Tu veux que je me venge, c'est ça? Oui, s'il te plaît. Mais en étant gentil, dis-lui que je veux redevenir normale. Et promis, je l'inviterai l'année prochaine à ma fête d'anniversaire. Tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît? Moi, je peux pas sortir avec cette tête. Les gens vont se moquer de moi. Très bien. Je vais me venger. Oui, mais attention. Sois gentil. Oui, bien sûr. Tu me connais? Je suis très gentil. Allons-y. Ah, je déteste ces passages secrets. Priscilla, il est l'heure de se venger. Allons-y. Il faut d'abord que je l'appelle. Allô? Priscilla, c'est moi, mercredi. Tu es où? Tiens, tiens, tiens. La copine d'Enid. Je t'attends. Je savais que tu allais venir. Il est temps qu'on se venge toutes les deux. À la cascade, vers le lac, Madison. Je t'attends. Très bien, j'arrive. J'adore les lieux dangereux. On y va. Oh, elle est déjà là. Je t'attends, mercredi. Viens me rejoindre. Surtout que ce lac est un lac enchanté. Si tu tombes, tu te transformes en un monstre. Et c'est ce que je veux, mercredi. Allez, mercredi, viens me rejoindre. Très bien, j'arrive. C'est pas très compliqué tout ça. Ça y est, je suis là. Approche-toi encore plus, mercredi. Voilà, c'est bon? T'es contente? Oui, très contente. Heureuse de te revoir. Moi aussi. Alors, retransforme Enid en une gentille fille. Oui, bien sûr, pourquoi pas.
mais à une seule condition. Laquelle ? Que tu deviennes un monstre, toi aussi d'abord. Et promis, Enid retrouvera sa tête normale. Alors là, tu rêves. C'est toi qui vas devenir un monstre. Désolée, je suis déjà un monstre. Attends, mais qu'est-ce que tu fais ? Ce que je devais faire depuis très très longtemps. Non, mais attends, non ! Non ! Et voilà, le tour est joué. Et je vais voir, elle ressemble à quoi ? Cette mercredi. Je fais attention de ne pas tomber. Voilà. Oh non, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi ? J'ai plus de jambes, on dirait. Ne me dis pas que je suis une sirène. Attention mercredi, j'arrive. Hop. Waouh. Mercredi, devenue une sirène. Comme je suis fière de toi. Enfin mercredi porte des couleurs. Tu peux pas faire ça, c'est interdit. Tu le sais très bien, tu m'as poussée. Oui, tu pensais quoi ? Pourquoi je t'ai invitée ici alors ? Au moins c'est réglé. Très bien, c'est réglé. Mais tu m'avais promis de retrouver la forme normale d'Enid. Alors va l'aider. Et ensuite, je m'occuperai de toi. Très bien. De toute façon, une promesse, c'est une promesse. Donc je vais bien sûr tenir ma promesse. Et toi, tu vas rester comme ça toute ta vie. Une sirène. Ha. Et en fait, tu ne peux pas survivre sur Terre, car les sirènes restent dans l'eau. Tu n'es pas une humaine et une sirène. Juste une sirène. Allons retrouver ta copine et rendre sa tête normale. Adieu, mercredi. Ouh, c'est qui la meilleure ? C'est mercredi. J'ai retrouvé ma tête. Et toi, tu peux partir maintenant. T'en es sûre ? Parce que mercredi a besoin peut-être de ton aide. Elle est devenue une sirène. Quoi ? Une sirène ? Ne me dis pas que... Elle a touché l'eau. Oh oui, l'eau enchantée du lac Madison. Bon, moi je dois y aller. J'ai des potions à préparer. Heureusement que ma grand-mère était une sorcière. Avant de se transformer en un vampire. Oh non ! Mercredi a besoin de mon aide. C'est pas possible. Mercredi ? Mercredi, t'es là ? Oui, c'est bon. Tu as retrouvé ta tête ? Oui, c'est bon. Je suis désolée d'apprendre ça. Tu t'es sacrifiée pour moi, c'est ça ? Oui. Et maintenant, trouve une solution, s'il te plaît. Parce que je peux pas rester une sirène toute ma vie. Va regarder si elle a une potion. J'en suis sûre. Les sorcières et les vampires ont une potion magique pour que je redevienne normale. Très bien, j'y vais. C'est un petit peu dangereux, non ? Et alors ? Tu peux bien faire ça pour moi ? Regarde, je t'ai sauvé la vie. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je peux tout faire pour toi. Tu es ma meilleure amie, après tout. Ça y est, je crois qu'elle est en train de dormir. Alors, certainement... Non, tu dates, je sais pas, moi. Il reste l'autre côté. Je vais y aller. Allez, elle dort. Alors, ça c'est quoi ? Ah, c'est peut-être ça. Ok, j'avais juste besoin de ça. Vite, on y va. Mercredi, c'est bon, je suis là. Enfin, elle se rétend. Oui, c'est bon, désolée. Elle est en train de dormir, heureusement. Je crois que c'est ça. Vas-y, donne-moi ça. Allez, vite. Je mets ça. Aïe, ça pique un petit peu. Ça fait depuis longtemps que j'ai pas pris une telle piqûre. Là, je fais quoi ? Je patiente ? Oui, je crois qu'il faut patienter. Peut-être minuit. Je vais rester ici, à côté de toi. J'ai hâte d'être à minuit. En plus... C'est mon heure préférée. Bah, pas pour moi. Je vais être un loup-garou. C'est pas grave. Avec moi, je risque pas de te transformer. Il est minuit. Oui, j'allais dormir, moi. C'est bon, je crois. Oui, c'est bon. Enfin ! Enfin, mercredi. Trop bien. Il faut partir d'ici maintenant. Avant qu'elle revienne nous pourrir la vie, Priscilla. Tu as raison. Mais c'est moi qui va pourrir sa vie maintenant. Oui, oui. On verra ça après. Allez, viens vite. Et attention, ne tombe pas dans l'eau cette fois. Oh oui, t'inquiète. Mais je vais me venger de cette Priscilla. La vampire. Elle ne sait pas que moi aussi. Je suis vampire. Mercredi, viens. J'arrive.